D'après vous, Stéphane Plaza, qu'est-ce qui dure en moyenne 17 minutes et qu'on fait tous les soirs dans un couple? 17 minutes? Moi, c'est beaucoup en plus moyenne. Rapide, ça peut pas être ça. La cuisine? 17 minutes, selon une étude de l'Université d'Oxford, c'est le temps qu'on passe à s'engueuler chaque soir avec son conjoint devant l'écran d'accueil de Netflix avant de réussir à se mettre d'accord sur un programme. C'est là qu'Eva Rock intervient. Eh oui. Évidemment, c'est une moyenne statistique. Moi, par exemple, mes soirées sont très différentes. Je passe un coup de fil à Elsa Zilberstein, avec qui j'ai pas mal accroché durant l'émission l'après-midi. Elle me dit... C'est où vous voulez, quand vous voulez. À aucun moment on s'engueule, et laissez-moi vous dire qu'à aucun moment on a besoin d'Eva. Mais bon, pour les autres... Vous n'avez pas besoin d'écran surtout, oui, c'est ça, voilà. 17 minutes de gagné. Alors, quoi de beau sur nos écrans, Eva, ce soir? J'ai réussi à trouver une série où il est question d'immobilier. Enfin, presque, vous allez voir, Stéphane. Série en 8 épisodes qui est à découvrir sur Amazon Prime Video et qui s'appelle Little Fires Everywhere. Ok? Des petits feux partout. Très encourageant d'acheter un bien qui est... La musique, et d'ailleurs toute la BO est assez formidable, quand, si vous l'entendez bien, ça vous donne un peu l'ambiance. C'est pas franchement la rigolade dans une petite ville très chic de l'Ohio. Mia Warren et sa fille Pearl viennent d'y emménager après des années à changer de lieu fréquemment, on sait pas trop pourquoi. Mia, elle est noire, c'est une mère célibataire sans un sou, artiste, qui vit de petits boulots. Alors, autant vous dire, pas facile pour trouver un appart. Sauf qu'elle va tomber sur Elena, qui est une femme très riche, qui est mère de 4 enfants, qui elle vit dans une maison de rêve et qui surtout accepte de lui louer donc son appartement à prix réduit. Mia, Elena, deux femmes, deux mondes et beaucoup, beaucoup de secrets au sein des deux foyers. Et la série, elle est vraiment construite sous la forme d'un thriller, avec une première scène dans laquelle on va découvrir cette formidable baraque. Enfin, c'est une demeure, mais incroyable. Elle est en flammes. Et au bout des 8 épisodes, eh bien, vous allez savoir qui a mis le feu à cette maison. Un feu pour brûler le passé et espérer reconstruire une nouvelle vie. Alors, au-delà du thriller, je vous recommande vraiment cette fiction, d'abord parce qu'elle aborde avec justesse les relations maternelles sous toutes ses formes, mais aussi les questions raciales dans les années 80 aux États-Unis et enfin la problématique des inégalités sociales. Alors là, Mathieu, je vous connais, vous allez me demander le casting. Et voici le moment fatidique de cette chronique. J'ai rien dit. Kerry Washington, qu'on a déjà vu dans la série Scandale. Alors, que j'aime beaucoup, mais dans cette série, elle a quelques mimiques qu'elle réitère en permanence qui m'ont un petit peu agacée. Et elle est face à une actrice que j'adore, notamment pour son nom de famille, Reese Witherspoon. Oh, vous avez réussi à dire Reese Witherspoon. Un jour, elle a mis un quart d'heure à réussir à dire. Et c'était Witherspoon. Trois jours que je m'entraîne. Elle n'en finit pas d'illuminer quand même toutes les séries qu'on voit sur toutes les plateformes. Elle fait toujours les bons choix. Voilà, sur OCS, on l'avait vu dans Big Little Lies. Et bien là, alors c'est encore du Little, mais c'est pas la même série. C'est une ambiance un peu similaire quand même. Mais je vous recommande vraiment Little Fires Everywhere. C'est à voir sur Amazon Prime Video et c'est vraiment très très bien. Et avec donc Reese Witherspoon. Oh là là. She did it. Europe.